Coucou la famille, j'espère que vous portez bien. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour toutes les femmes qui s'engagent souvent à basser les hommes ou à séparer certains, je ne sais pas, mais tu t'es engagé quand même dans l'astuce. Quand tu commences quelque chose, on ne laisse pas les astuces en cours de route. Je prends l'exemple. Si tu veux peut-être basser un homme et qu'après tu as changé d'avis. Moi, ce que je vous donne comme conseil, ne vous amusez pas avec les astuces. Ce sont des rituels qui sont puissants et ça peut retourner contre vous. Qu'est-ce que tu vas faire si tu vois que tu ne veux plus faire? Tu as bien commencé. Il y a des femmes qui font les astuces. Le moment qu'elle est fâchée d'un homme, elle veut basser et tout, mais après, elle s'en rend compte qu'elle ne veut plus. Quand tu as commencé les astuces, il faut finir. Mais dans le cas où tu ne veux plus finir cette astuce, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ramasser tous les sucres que tu avais déjà commencé. Tu emballes dans un plastique et tout. Tu cherches soit un coup d'eau, soit une mer, soit un grand carrefour, soit une grande forêt où les gens n'habitent pas. Et quand tu pars jeter dans un carrefour, c'est la nuit quand les gens dorment. Mais tu fais tes vœux avant de partir. Peu importe si c'est la forêt ou si c'est dans l'eau. Quand tu jettes là-bas, il faut que les gens ne soient pas là. Et quand tu te retournes, avant de jeter, il faut faire tes derniers vœux. Tu dis, voilà ce que j'avais commencé. Et aujourd'hui, je ne veux plus. Je laisse tout tomber aujourd'hui pour reprendre ma vie. Tu jettes cela et tu retournes ton dos sans parler ou bien sans regarder derrière. Là, les esprits vont partir avec cela. Tu te laves. Et quand tu rentres chez toi maintenant, tu vas prendre un poignet de sel. Tu mets dans l'eau et tu rinces ton corps avec... Tu jettes tout le sel dans tous les angles de ta maison. Là, tu serais libéré. Moi, je vous dis, parce qu'il y a des femmes qui prennent les astuces à la lettre, que beaucoup de femmes deviennent folles ici dehors parce qu'elles ne respectent pas les conditions qu'elles ont signées. Bah, quand tu t'engages à faire quelque chose, ça veut dire que tu t'es engagé. Et quand tu t'engages, il faut faire les choses jusqu'au bout. Mais du moment où tu ne veux plus faire, voilà quand même les choses que je vous dis de faire pour que vous ne fassiez pas d'erreur. Voilà, parce qu'il y a des hommes qui ne s'amusent pas. Tu peux vouloir aller faire du mal à quelqu'un, ça retourne sur toi, c'est la folie qui te prend. C'est ça que je vous dis, avant de faire quelque chose, renseignez-vous très très bien. On ne se lève pas un matin pour aller basser quelqu'un. On ne se lève pas un matin pour aller faire du mal à quelqu'un. Donc quand tu t'engages, voilà, quand tu t'engages, il faut assumer ce que tu as commencé. Et si tu vois vraiment que tu ne peux plus faire, faites comme je vous le dis, vous serez tranquille dans votre vie. Mais si vous prenez les choses, vous faites n'importe comment avec... moi je vous ai prévenu. Parce que moi ici, je préviens toujours. Mais si vous prenez les produits là, la légère, tant mieux pour vous. Hein. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Partagez la vidéo pour que ça sauve d'autres femmes qui font des choses et ne réfléchissent pas. Partagez vraiment cette vidéo, ça peut aider beaucoup de femmes. Vous comprenez? Partagez vraiment la vidéo pour que ça marche.